Eh bien le bonjour, c'est Agito et bienvenue pour la suite de notre aventure où l'on a terminé Gun Valley et on a eu pour boss la statue de la liberté démoniaque. Le combat était intéressant en termes de mécanique et en termes de gameplay parce qu'il nous fallait le petit bonhomme sur nous qui tire des balles avec son flingue. Et c'est comme ça qu'on devait combattre le boss. C'était assez drôle mais ça reste toujours aussi facile. Et quand on a quitté cette zone et qu'on est revenu ici, il y a un garde royal qui est venu nous dire que notre papa ou l'un de nos papas nous cherchait. Va falloir qu'on aille le voir. Donc on va aller faire ça. Et désolé aussi pour le présent épisode où la caméra n'a pas filmé. En fait, depuis j'ai mon nouveau micro-casque que j'ai commandé avec le Black Friday. Eh bien, j'ai des soucis techniques. Et ce, même en live. Soucis audio, des fois ça prenait pas l'audio, je vais faire quelques modifications. Et là, ça fait la même chose avec la caméra et ça m'a fait exactement la même chose. J'ai dû passer en mode photo puis en mode vidéo pour voir que ça fonctionne. Donc what the fuck quoi. Slimania, ouais. Donc là je vérifierai bien si ça tourne. Et là ça tourne bien. Donc désolé. À la place je vous ai mis une petite image. À la place de ma tête. Ouais, ça fait un peu du bien de retourner à la maison. Ça faisait un moment en plus. Donc on va aller voir ce que ton cher papa nous veut. On va aller voir, on va aller voir. Quel est le souci? Il y a un problème? Parce qu'il ne reste plus que un seul orbe à obtenir. Les orbes arc-en-ciel, on en a 6 sur 7. Ça c'est parfait. Oh, en plus il y a des quêtes. Je vais aller prendre les 4 secondaires. Ça peut être intéressant. On va voir ce qu'il y a. Parle-moi. T'as battu le petit Wise, nouvelle bataille tiens, d'accord. Bah oui, The Wind, bah normalement c'est bon ça. Hein. Voilà. Iron Arrow. Bon, ok. Pas fou, mais ça peut servir. Meilleur ami. Ouh. Parfait. Encore une quête secondaire à gauche. Il y en a deux apparemment au palais aussi. Je sais pas si l'autre est en dehors. On dirait bien. Salut toi. T'as collecté toutes les Dr. Stitch partout. Non, je l'ai pas fait ça. Pour un Spookler Bomb. C'est le rocher explosif, mais fantôme. C'est pas ouf. Après, en vrai, ça va vite, hein, les combats de bateau. Pour obtenir toutes les parties. Ça peut grave se faire. Toi. De log. Easy. Allez, prends ça. Thousand Weight. Bah, le truc qui fait. Ouais. 1000 tonnes. Pose kind bro. Et on fait une dernière quête au palais, au château. Oui. On va y voir. Hop. Il y aura peut-être une cinématique. Ah bah oui. En effet, il y a une cinématique. Eh bien, retour à la maison, mon fiston. J'ai eu quelques nouvelles à propos de tes recherches. Mon frère est incroyable, nous avons 6 orbes déjà. Bah ouais, mais il manque un orbe. De la Treasure Room. Là, on avait vu sur le premier épisode. Où le chef des pirates est arrivé, il a tout dispersé. Il veut que je dépose les 6 orbes. Bon bah, si tu veux. Mais ça va nous servir à quoi là? D'accord, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'abri ici. Et là, c'est un méchant ou un déguisé. Et on a plus nos orbes. Nice ou? Le roi place les orbes arc-en-ciel sur leur piédestal. T'as plus qu'un. Je déteste demander ceci à mon fils. Utilise ta force pour sauver le monde. Maintenant, prends cette carte. Ouais, donc voilà, c'est pour obtenir la carte. La dernière partie. Mais ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin du jeu? Ça reste court, hein, si c'est ça, mais sympathique. Un pays qui s'appelle Zipunk. Ok. C'est la base des Platywags. C'est sûr. Ok. Avec un nom comme Zipunk, j'ai
J'avoue que c'est assez bizarre. Vraiment. Allez, on va reprendre notre bateau et puis on y va. Là, le charrie un tout petit peu. Juste un petit peu, hein. Docteur Sid qui fume sa pipe, hein, comme d'habitude. The final battle. Oh oh oh. Peut-être que ça s'approche, hein. Peut-être que ça s'approche. Alors, par contre, en termes de quête, où est-ce qu'elle est? Bon, c'est pas super indiqué. Allez, va dans les salles. Là. Hop. Puni le bateau, chassé. Et qui m'a effrayé depuis longtemps. Je vais te donner un bonbon en retour. J'ai jamais fait celui-là. Penguin. Apparemment, c'est un pingouin particulier. Je crois que j'ai déjà fait des combats de navire avec un pingouin. Bon. C'est tout bon. En vrai de vrai, si on veut le 100%, ça a l'air d'être plutôt tranquille. C'est sac à trésors. Puis en termes de monstres, bon, ça va, comme les zones sont assez grandes, souvent il y a les mêmes monstres. Je vais quitter la zone de revenir et puis on enchaîne. Alors, tout là-haut. En vrai, je vais me téléporter. Hein. C'est quoi le plus proche? Chivirol, Slushia, What the Bay? Flat Desert. Est-ce que c'est juste là? C'est où Chivirol? J'aimerais bien aller à la droite, moi. C'est juste là. Ouais, de vrai. C'est quand même loin. Bon, allez. C'est pas grave, on va visiter un tout petit peu comme ça l'endroit. Parce qu'on l'a pas fait. De ce côté. Je vais éviter les combats quand même, parce qu'on les a déjà fait sans les refaire. On va partir sur la droite. Et après on va descendre. Parce qu'on y avait été pour les ninjas, mais on n'avait pas fait plus. Sous-marin, je t'ai vu. Il y a la baleine là-haut. Wouh. Il m'a eu. Il m'a eu. Bah, allez, je fais ce combat. Ah, t'as quelqu'un Matrishka va pouvoir toucher. Oh oui, ça touche. Wouhou. Nice. Parfait. Comme ça, on l'aura vu. Je vais pouvoir la remplacer par l'autre qu'on a eu. Hop. Le flambeau de la Statue de la Liberté. Hop. Alors, merci Tigali maintenant de m'avoir dit ça en commentaire, hein, pour les Yeti Yetu. Hein. Super gentil. Je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. Je connaissais... la tête, on va dire. Les Twitter, il y a quand même des certaines images, des trucs comme ça. Mais c'est pas le mot. Chercher sur internet, bah. Non. Je leur dirai pas de toute façon. Je leur dirai pas. Plus jamais. Plus jamais. Ok. Hop. Ouh. On a récupéré la hache. La bonne hache. Ouais, passer par là, on va faire le petit tour en plus. Et mon golfière aussi, hein, pour récupérer certaines munitions. Toi, je t'ai vu. Hein. Je t'avais vu. Mon bateau n'est pas très très rapide. Hein. En même temps, amélioration de points de vie et un peu d'attaque. La vitesse, pas folle. Quoi. Ça va. Elle est là. Ok. Hop. Parfait. Petite tablette. Mais encore ces tablettes là. Comme dans l'autre. Pour power, il y avait wisdom. Il y avait quoi d'autre? C'était lié par rapport aux statistiques dans les Dragon Quest. Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Wow 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 wow. On se calme, hein. Il y a du monde qui a suivi, hein. En combat. Ouais.
Hop là, 905 points de vie. Ah ouais, hein, pratiquement le double de ce que j'ai. Énervé. Ping. Ça envoie des faux là. Bien énervé. Ça va mettre des dégâts. Allez, c'est pas mal. On appelle des monstres, on les a arrêtés. Alors je sais pas comment on les a arrêtés. Ils ont plus quelque chose, mais je sais pas. Comment ça, ça m'a touché plusieurs fois. Ah, la Matryoshka s'attendra. Je vais souffrir. Ouais, les points de vie vont diminuer. Ça, je prends, c'est pour moi. Tu m'excuseras. Je pense pas qu'elle va toucher. Hein. Ah, puis ils ont des munitions aquatiques aussi. Et des nouvelles espèces de... Je sais pas si c'est des flèches. Des lances dans l'eau. Donc quoi, il va falloir beaucoup de boucliers. Hein. Les boucliers, ça va énormément servir. À tout contrer. Mais pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Allez, Matryoshka. Touche. Allez, elle arrête. Oh, elle arrête des munitions. Ouais, allez, moins 128. Oh, pas mal ça. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on lui met? Je savais pas, ça compte comme une comme un bouclier aussi. Je sais pas combien de fois ça peut être touché, mais bah trop cool. C'est pour ça que c'est lent peut-être alors. Allez hop, coup critique. Ça est terminé. On y va. Les petites sœurs. Joli. Tout en métal. À moi ça. Attention. Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut avec moi lui? Trop de chiant. C'est tout? Ok. Bon. Petit, hein. Tout petit. On a battu les cactus. 905 points de vie. Elle a tout perdu rapidement. Hein. C'était ultra rapide. Oh oui. Squid Side. Je me demande si on n'a pas de la chance, justement, si on a au moins un des quatre. Enfin, si on a l'un des quatre, pas forcément que celui-là. Et en plus, il y a une base qui a l'air assez énervée à côté. J'en vois une base rouge. Je vais poursuivre. Oh, ça c'est bon, ça. C'est très très bon. Ouais, oui, pas. Lightning Staff et Wisdom Tablet. Moyen qu'on puisse se le faire à l'autre là-haut qui est rouge, énervé, Furax. Et là on va la Z-Punk. Limite, si on n'a pas le temps de faire le niveau là, je peux aller faire le combat. Hein. Donc c'est ici qu'il y aurait le dernier orbe. Je vais crafter le nouveau truc. Hop. Ouais. 19 000, hein. 45 en HP, ouais. Pas mal. C'est ce que j'ai besoin. Et on va regarder aussi ensemble si je peux faire des améliorations. Upgrade. Je peux faire ça. J'en ai 4 pile poil. Et là, 3. 622, ouais, clairement, je le fais. Hein. Beaucoup plus de points de vie. Le gros boost. J'ai pas la griffe, j'ai pas la... No, ouais, je l'ai pas. Il manque les peluches slime ici. Ça va se faire crafter peut-être. Pas lui. Carfrizzle. Oh, méga flamme. Samurai Sword. Slaveler Badge. Un truc de Slyvol, le badge de Slyvol. Alors là, il y a des trucs énervés là. Hein, je vais faire les Vulcan Shell. À la place de Vulcan Bullet. Je préfère les garder quand j'aurai les faire. Goddess Statue pour avoir une Special Medicine. Finalement, je n'utilise pas tant que ça. La King Staff. Toy Slime. Ah, il faut des Meteorite Brace. Mais je les trouve où? J'en ai pas trouvé encore. J'en ai pas trouvé. Lime Forest et Slime Knight. Ok.
On va au village. Oh. Stylé. Les méchants, et vous êtes là encore. Heidi, c'est encore lui. Il est là. Voulez-vous battre? Oh, le slyball. Oh. Celui-ci est moi, est à moi. Attends, tu es... Attends, qu'est-ce que c'est son nom déjà? Ah oui, c'est Slyvol, non? Tu vas vouloir refaire un combat, Slyvol? En même temps, tu vois, il nous protège. Entre guillemets. Enfin, j'ai des combats. Ouais, un overmatch. Et quand c'est vous? Salut. Ouais, donc ils ont abandonné le grand boss, ils sont partis avec Slime Ball. Oh, un truc de Sumotori. Pas sortir du ring. Une petite friandise. Donc Slime Ball est parti où? Qu'est-ce que je dois faire? Retourne de Last Orb. Ouais, bah pour le moment, je vais continuer à faire ce niveau-là. Je vais sortir. On va aller faire le combat au pire. Comme ça, le niveau, on garde pour la prochaine fois. Ok, c'est un tonneau. Je crois que c'était... Je vais le prendre quand même. Je peux faire une craft. Je pensais que c'était une météorite. Mais non. Là. Qu'est-ce que ça représente en rouge? Ah, c'est bloqué et je peux pas le faire maintenant. Et on peut voir que derrière, il y a une espèce de petit village. Attends, je vais aller fouiller. Je pense qu'on amène ça. Jusqu'au bout. Ok, parfait ça. Iron Shield, je peux le mettre. Est-ce qu'il y a un passage? Non. Je vais récupérer des munitions là-haut parce que le Lightning Staff ça va être cool aussi. On les met chez eux et puis la foudre elle frappe. C'est du 40 je crois de dégâts. Ah bien. Miracle Sword. Ouh. Oh. Non, vous voyez pas. Hammer. Et puis tablette. Ok. Peut-être se faire un combat de navire. Tout à l'heure, il y avait un navire assez bizarre. Assez spécial, si je peux le retrouver. C'était vers la droite. Il y a des trucs énervés aussi. Bah écoute, on va te faire toi. On va te faire toi. Donc c'est les mêmes que j'ai affronté dans mon boss avec le truc rouge. Ils sont en gris. Donc légèrement moins puissant. Oh oui. Tududuk. Il est pas mal Niagara là. Hein. Tic tic tic. Je vais se prendre. Ok, je vais se prendre. On va renvoyer l'épée. Bouf. C'est comme si on avait deux munitions. Trop fort le Mirror Shield. Et là, le bouclier qui protège tout. Ça va prendre 11 plus 42 plus 1. Et là on a 622 points de vie max, ça fait plaisir. Vraiment ce qui me manquait, c'était ça, c'était les points de vie. Ça ira un peu mieux. Tchouk. Après lui. Ok. La Trioshka. Allez, viens avec nous. Va me lancer ici. Je crois qu'on en énervé ou en soin. Vas-y, en soin un petit peu. Normalement, on arrête les munitions.
Alors ça, ils peuvent tirer, c'est cool. Ok, elle est finie. Ouais, c'est bien ça. En fait, elle est trop bien. Très, beaucoup trop bien. Oulala, tout ce qu'elle a envoyé dans la flotte. Hein? Gros critique. Aïe, aïe. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Oh, le problème, c'est qu'ils vont... On va foutre dans l'eau. Et salut, à la prochaine. On se revoit dans quelques secondes. Oh, c'est chiant ça. Quand les ennemis balancent une munition d'un coup comme ça, on sait pas pourquoi, mais pouf. On met dans le canon. Non mais... Je déteste. Est-ce que ça passe? C'est bon, ça passe. C'est bon, au bout d'un moment, vous avez fini de me faire des allers-retours là? C'est quoi ces conneries? Voilà, terminado. Bon Dieu. Même ma sœur s'y met, quoi. Elle me défonce. 5000 en gold, yeah. Ok, bon, j'ai encore le truc sur le côté. Pas fou. Attendez, 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 je suis pas prêt. Wow, 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 calmez-vous. Tranquille. Bon, celui-là, je le passe, le combat. On a eu l'avance cette fois-ci. Cool. Bon, c'était pas eux que je voulais voir. Arrêtez de m'agresser. C'était vers là. C'est peut-être lui, ça doit être le même, en fait. Ça doit être le même vaisseau. J'ai l'impression. Ouais, c'est le même. Ok, bon, bon. Ce sera tout bon. Au pire, il y a un petit passage ici aussi. Là. On va aller voir ce qu'il y a aussi au fond. Et puis après, on s'arrête là pour cet épisode. On fera le niveau la prochaine fois. Donc la porte rouge, finalement, c'est bloqué. Je vais voir pour mettre ma mitraillette. What the fuck? En sautant. Non, ça marche pas. Parce que là, il a des bonnes munitions, lui. Ah si. Oh, trop bien. Oh, parfait. Des munitions supplémentaires. Bon, j'ai pas eu une mitraillette en plus. J'en ai toujours qu'une. Après, je peux en crafter si je cherchais des slime knights. Oh, marrant. Super marrant, ça. Plein d'aqua, plein de barre, ok. Est-ce que le train y repasse? Non. Donc, il doit y avoir plusieurs zones justement, bah il peut passer, puis on peut récupérer les objets qu'il y a dessus. Là j'ai eu que les munitions, il y avait aussi un bouclier dessus. Non, je l'ai pas eu. Hein? Alors voilà. Les griffes! Les griffes, les griffes, les griffes! Il la faut! Fonce, 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 fonce! Voilà. Tac. Ah, vite la griffe. Tant pis pour l'espèce de totem, mais au moins la griffe. Tac tac tac. Non. Quel dommage. Pourquoi il a pas sauté assez haut? J'ai pas réussi à le choper. T'as avoir les griffes aussi. Ok, bon, je pense que je vais aller farmer un petit peu des munitions ici. Hein. Pour le prochain épisode. Je l'avais entendu. Ouais, je reviendrai là. Si pas souvent, mettre bien, mettre bien. Alors attention, hop, ok. Ça va être tout bon. Allez, on se gare. Azipunk. En plus, c'est leur chef hein, qui est ici. Ah non, c'est le combat contre leur grand chef. Mais ce sera pas fini après. Voilà. Allez, des bisous, Xlovka. Puis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Slime Mori Mori 3. Avec les cerisiers, c'est magnifique, les sakura. Tchuss !